Ok, on est de retour donc sur Kenshi avec notre troupe complètement en PLS. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi vous suivez Folnus là comme des teubés? Quoi ce délire? Folnus a lancé une secte perso. Les mecs sont tous en train de le suivre. C'est fini, non, il en reste un. La Folnus hein, qui se prend pour un King Kong. Il réussit à retourner le cerveau de la moitié de la base. Mais non, la vérité a été rétablie et tout le monde est retourné à travailler. Vieux poulet, mais continue de dormir. Alors Daskar s'est remis sur pied. Qu'est-ce qu'il y a dans son sac? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il n'y a pas moyen de choper un comptoir là, il y en a 5 dans le truc. Voilà. C'est qu'on les a tous passés en armes lourdes hein, après l'échec et du coup évidemment pas la même chose. Ok. Déjà tu vas prendre ça, ensuite tu vas prendre ça quand même. Pas plus léger. Niveau bouffe, on va aller faire la petite inspection quand même. On va aller cuire tous ces steaks. Les animaux sont souvent blessés, ouais. Que fait la SPA? Mais il était à l'autre bout du monde en fait.
Bon bah ça c'est fait. Ça c'est fait, éventuellement on peut se faire un petit aller-retour avec Eve en attendant qu'il se remette. Va pouvoir dormir un peu même. Bon, ça va quand même, un niveau bouffe, ça se passe mieux. Là, on va en profiter. On va profiter du temps mort pour faire ce petit aller-retour gratos. Challenger contre l'End of Stagiaire a gagné. Pardon. On s'est même pas battu. Ça leur fait plaisir. En train de s'inventer des histoires hein, dans la région. Genre ouais, on les a battus et tout, ça a été raconté dans une taverne, mais nous on n'a pas vu la couleur d'un combat. On a bien vu un mec tout seul qui s'est fait défoncer par des nomades devant la porte. Mais dans la base on a vu personne. Non, hop, hop, hop. Ça nous fait un peu de place, non? Donc il nous reste 3000 balles. Non, on va pas dépenser plus parce qu'il nous fallait 8000 pour prendre les mercenaires. Donc on est reparti.
Ok, alors on a du maïs ici à déposer. Du maïs, des steaks. De la bouffe. Une ressource, elle a tout déposé déjà. Maintenant, tu peux déposer ta bouffe si tu veux. Non. Ok, bon bah on a fait le plein de bouffe. Ici ça se passe pas trop mal. Bah, on va pouvoir repartir. Allez, on récupère donc nos petits gars. Allez, on va vérifier qu'on n'embarque pas quelqu'un d'autre, non c'est bon. C'est bon, donc. Direction village ruche. Qu'est-ce que vous foutez, bande de débiles? On vous demande de courir ensemble. Mais c'est encore Faulnus qui attire les foules là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Bon. Bon, toi tu fais pas partie du truc. Mince. Non plus. Ils veulent tous y aller. Hein. Ils veulent tous y aller. Bon, on est en train de virer des choses en même temps. C'est pas très grave. Faulnus, il s'est fait une secte dans le village. Gloire à Faulnus, Joker 9. Dans ce cas-là, oublie ce qu'on t'a raconté sur Faulnus. Ce ne sont que des bêtises. Médecin, si tu veux. Ils viennent tous le voir les uns après les autres. Le Kaiser, il sert plus à grand chose là. Il fait une ferme de cactus. C'est bon, il reste Ravol. Ça ramène. Et là, on est bon. Non, on n'est pas bon. On a Cowboy étoilé là qui traîne. Boomat. Acheter des sacs de couchage, mais on va aller au village ruche. Ça c'est fait. Ça c'est fait.
Donc on est parti vers ce village ruche. Qu'est-ce qui est à côté là? On ne sait pas. Alors, inspection du matos vite fait. Lui laisser son sac à Kars, on enlèvera. Tout va bien. Gaffe aux bêtes qui vivent là-bas, ouais, on sait les becs pointus là. Donc courser Eve. Le village ruche, on y est passé souvent quand même. Chaque fois qu'il fallait acheter des prothèses. Alors attention, là-bas ça se bat, qu'est-ce que c'est? Ouais, le souci qui s'est passé hein, entre les berserkers et les chiens durs, c'est que on a changé d'arme, on a pris les armes des berserkers qui sont des armes lourdes. Évidemment, nos personnages n'étaient pas préparés à ça. Ils avaient tous des sabres et des katanas. Et ça leur a fait bizarre le combat d'après, donc contre les chiens durs. Donc tant pis, ils vont finir par apprendre. Mais commencez pas à vous séparer là. Lui, il a jamais bougé. Tant mieux quelque part, hein, parce que j'ai pas envie de découvrir ce dont il est capable. On sait qui est là. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il fout? Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un suiveur là. On a Kim Thor. Là. Et il rentre à la maison. Il voulait venir avec nous. Hein. Et ensuite on a Pardon aussi. Oula, attention. Babouche, attaqué par quoi? On s'égare, des bandits affamés. Alors attendez, les sacs à dos. Sac à dos, c'est bon. King Kong, t'as pas envie de te battre. Ah ouais, on les a tous mis en passif là. Hop, hop. Non, on peut pas faire 3 mètres sans tomber sur quelque chose qui essaye de nous tuer ici. On sait qu'on allait voir le monde, etc. Mais on n'a pas vu le bout de la rue là déjà. Oh là là, on a perdu Molly Kars.
Perdu babouche. Bon, King Kong s'en sort quand même mieux face aux humains que aux chiens durs. Et ça va le faire. Ça va le faire, mais quand même. Hein. À peine remis. On a déjà deux blessés de nouveau. Bon. Ok, bon bah Daskar, tu vas récupérer Babouche. Dieu Poulet, tu vas récupérer Molikarz. Vous proposer là, attendez, il y a peut-être du bise à faire. Voilà, Tascar, il n'y a rien dans ton sac, pas rien, ils sont là. Mission slip, hein. La base. Alors, où sont les autres? Où sont les autres? On y voit que dalle là. Du sang, mais ils sont déjà en slip. Bon, bah du coup, on va les redéposer. La maison. La maison est là. Ah, on n'est pas loin en même temps. On en est à déjà deux faux départs. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, ils sont gonflants. Alors, on a des marchandises spéciales. Bah voilà, parfait. On va envoyer Daskar. Ouais, mais il faut que t'arrêtes de parler, sinon on peut pas déclencher le dialogue. Non. Qui est-ce qui porte ce vieux poulet? C'est Daskar. Ouais, mais il veut pas nous parler, ce débile. Et toi? Le truc, c'est qu'il arrête pas de parler, il ne se tait pas, et du coup, on peut pas déclencher le dialogue, on est obligé de le voir partir là.
Ok, ça c'est fait. Le poulet, où est-ce que tu vas? Non, mais tant que t'es là. Ok, bon bah écoutez, on va attendre encore un peu. Bon, du coup, on s'est fait un peu d'argent. Il a acheté quoi? On ne sait pas. Il y a des choses qui s'achètent là. Très bien. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas et ça se frite ici. On est reparti. Et qu'est-ce que vous faites? Elle, toi, tu fais ta vie. Bon, on a tout le monde. Direction donc village ruche pour la 12e fois. Des armes lourdes, hein, c'est pas ça.
J'ai arme lourde 5 même. Il a pas d'autres armes. Hein. Allez, bon, là-bas ça se frite, on va les laisser faire. Ça doit être les bandits affamés qui se relèvent simplement. Donc on en est où? On en est là. Voilà, histoire de pas être pris au dépourvu, les sacs sont rangés. Je vais reculer la vue quand t'arrives à... Oui, t'en fais pas. On va pas... On va y aller comme des sauvages. Encore une fois, hein, ce village, on le connaît bien, on y va tous les 3-4 épisodes pour acheter des prothèses. C'est juste la première étape, donc on est censé acheter des lanternes là-bas. À 15 000 balles, il y a plein de trucs qui se sont vendus là. On était à 3 000 avant la session de vente. On a un peu de trucs à vendre aussi dans le sac de Daskar. Donc voilà, si on croise un bar, il faudra penser à recruter un turtle et un maverick. C'est quoi l'animal que tu as croisé? Ça, je ne sais pas. Il est là depuis le début, il ne bouge pas. Alors depuis le début, on va pas lui chercher les embrouilles, on fait que passer devant à chaque fois. Mais je sais pas, il traîne là. Figé. Enfin, figé. Il est animé. Et on sait pas ce qu'il fout là. Voilà, on voit le village dans le coin. C'est exactement pour ça qu'on y va, figure-toi. Bon, là-bas, il y a du commerce, il n'y a pas de baston, tout se passe bien. Utile que tu aies 42 stats, mais alors y a pas... Enfin, tous les personnages n'ont pas des stats équivalentes, hein, attention. Là, regarde le Daskar, il est plutôt frais lui. Ouais, ici aussi. Le vieux poulet. Bah d'ailleurs on va peut-être en profiter pour t'acheter une chemise, étant donné que on passe au bon village. L'équipement de vieux poulet, c'est pas le top, hein.
Ah mais ici ce sont les prothèses, il me semble. Allez là-bas. Allez. Hop, alors. On trace et on trace dans le truc le plus près possible. Dépêchez-vous. Voilà, Daskari est tout seul. Allez. Voilà. Venez vous réfugier là-dedans. Vous arrêtez pas. Les débiles. Qu'est-ce qu'ils foutent? On vous dit de venir là. Ils sont hyper gonflants. Voilà. Bon, Molikar se fait diversion pour que Daskar puisse passer. Daskar est coincé. Oh purée. Oh, ils sont hyper gonflants. Alors, attendre. Daskar va avoir de l'aide. Oh, il est coincé ce débile. Coincé où? T'es coincé dans quoi? On sait même pas. Voilà. Ok, ça c'est fait. Attention, oui. Oui. Alors, hop. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut accéder à l'autre boutique? Vous savez quoi, on va pas envoyer tout le monde, on va en envoyer qu'un. On va envoyer le plus rapide. Avec le sac de Daskar. Le rapide, ça a l'air d'être Folnus quand même. Tiens, Daskar, tu as filé ton sac à Folnus. Volnus, tu as tracé jusqu'ici. Encore quelqu'un, oui. Ec. Ok, voilà. Hop. Hop. Donc, avant tout ça, pas grand chose, mais c'est déjà ça. C'est tout. Et ensuite, on va prendre la lanterne. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, c'est pas bon ça. Alors il nous faut aussi une chemise. On a quoi? Un maillot cuir ruche.
Chemise blindée ruche, voilà. On va prendre ça. Ça coûte combien? 2000 balles. Va prendre la bouffe aussi, hein. Combien? 300 balles le poisson, 300 balles le poisson. C'est une arnaque, j'ai testé. La lanterne sert à rien. Ah. En principe, elle est censée repousser les fogmen, mais avec une seule lanterne, effectivement, ça va pas être assez, quoi. Je pense qu'il en faut une par personnage. Matériel médical, on va laisser. Non, bah, y a plus rien qu'on va prendre ici, en fait. Donc, on est reparti avec Folnus, direction l'autre boutique. Là, il faut commercer avec vieux poulet. Voilà. Un peu plus de défense. Ça fera pas mal, on va rendre ça à Daskar. Ah, ça on peut peut-être le filer à Folnus. Donc, on va se refaire un tout petit voyage avec Folnus. Voilà, histoire de vendre tout ça. Il a blindé d'argent lui en fait. Blindé de thunes. Ah ouais, on voulait un kit de réparation, on en a un. On voulait des outils. Et des outils, non? Pas du tout d'outils. Bon, bah écoutez, voilà. Todd, qu'est-ce que tu fous là? Oh là là, bon bah Todd vient avec nous. Non, mince. Todd vient avec nous, écoute. On va peut-être pas remarquer. On va le renvoyer à la maison, lui. Peut-être vite fait. Il a traversé la plaine tout seul. Bon allez, je vous propose une petite pause stagiaire de 2 minutes et puis on est parti vers une prochaine étape de ce voyage. Allez, tout de suite.